Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour chez moi. Fini les vacances, comme vous avez pu constater à la fin de l'autre vlog que vous avez vu la semaine passée. J'ai été en vacances quelques jours au Québec, voir ma famille, mon fils, ma soeur, ma mère, etc., etc. Donc, c'était super le fun. J'ai passé vraiment un beau moment. Ça a fait du bien de les voir. Ça faisait 3 ans que j'avais pas vu ma famille, donc vraiment, là, je suis super contente. Et puis, ben, ça fait toujours du bien de revenir à la maison. Donc, je suis vraiment contente d'être de retour chez moi. La maison m'a manqué. Mes choses m'ont manqué. Mes vidéos m'ont manqué. Filmer m'a manqué. J'ai pas beaucoup filmé là-bas, ou presque pas, là, même que j'ai pas filmé, là, juste un petit peu. Là. Mais je voulais profiter de mon monde, puis pas achaler mon monde non plus avec ça. Et je suis sûre que vous comprenez. Et puis là, ben, je suis super contente. J'ai repris le cours de mes vidéos, refilmé, tout ça. Donc, ça me fait vraiment du bien. Je trouve ça le fun. Et on est toujours bien heureux de... Ben, du retour à la maison. Hein. Quand on part en vacances, on est toujours heureux de partir, mais on est très heureux aussi de revenir. Fait qu'aujourd'hui, je me suis fait un beau petit maquillage. Je suis contente parce que, habituellement, quand je vais en voyage, je me maquille pas. Fait que je mets juste du mascara puis du lipstick. C'est ce que j'ai fait pendant 5 jours. Mais là, j'avais le goût de masser avec mes pinceaux, mon maquillage, tout ça. Et aujourd'hui, j'en ai profité juste un tout petit peu. Donc, voilà le maquillage. J'ai fait ce nude rose. Donc, avec des lèvres roses, avec des cheveux roses. Le total look rose. Et puis, voilà, c'est à peu près ça. J'avais juste le goût de te montrer un petit peu mon maquillage. Et puis, ben voilà, c'est pas mal tranquille. J'en profite pour relaxer, pour prendre ça un peu cool. En pas de roche, ça fait du bien. Mais tout, heureusement, tout s'est bien passé avec mes chiens. J'avais emmené mes 3 chiens avec moi. Ça a été vraiment absolument rien à dire. Mais les chiens aussi sont heureux du retour à la maison. Je vous montre Charlotte, Jack, puis petit Benou, lui. Il est dans son petit lit caché ici. Fait que voilà, voilà, c'est pas mal ça les filles. Et puis, ben voilà, moi je vais prendre ça cool pour le restant de la journée. Je vais peut-être finir par vous vlogger tantôt, vous revenir pour vlogger un peu. Et puis là, je vais aller me faire un bon café. Un bon café, ouais. Puis je vais prendre ça cool. Fait qu'on se voit tantôt. Bon, à part ça les filles, j'avais oublié de vous donner la date d'aujourd'hui. On est le 4 août. Et puis, c'est ça, pas grand chose. Aujourd'hui, je relaxe, je prends ça cool, je suis pas pressée. J'ai même pas été marcher. J'ai mal au ventre, j'avais été menstruée, fait que je prends ça bien cool, les petites vacances m'ont épuisé. Fait que je prends ça relax chez nous, je vais attendre mon chum arrive de travailler pour aller, tu sais avec qui, je vais pas le dire trop fort, sinon il va m'achaler. Puis c'est ça. Fait que demain aussi ça va être bien cool parce que demain c'est de la pluie toute la journée, je pense. Si je me trompe pas, c'était ça qui était marqué ce matin. Ça commence déjà à s'ennuager, fait que probablement qu'il va mouiller. Ça me dérange pas, ça permet de prendre ça cool. Puis j'ai besoin de prendre ça cool. S'il ferait beau, je serais stressée pour aller me promener là, puis là, puis là. Puis là, ben, la pluie va me permettre de me relaxer et de penser un peu à moi. Donc, je vais filmer une vidéo ASMR ce soir pour soit prête pour dimanche. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé une petite demande spéciale. Je pense que c'est un mouvement avec les mains. Fait que je vais faire ça avec vous autres. J'ai jamais fait vraiment. Fait que y en a que ça pourrait probablement leur plaire. Fait que je vais vous revenir un peu plus tard. Je vais finir d'écouter des petits trucs sur YouTube que je suis en train d'écouter. Puis je reviens un petit peu plus tard avec ça. Je suis en train de me faire une petite sauce à spaghetti, puis au lieu de mettre du bœuf haché, j'ai mis de la saucisse. J'ai pris cette saucisse-là que j'avais italienne, j'ai enlevé la membrane, puis je l'ai défait en petits morceaux. Comme ça, ça fait différent du bœuf haché. J'aime beaucoup, ça va être trop bon. J'ai hâte de souper. Bon, ben salut tout le monde, je viens conclure la journée de mercredi. Demain, on va se revoir jeudi, et puis là, je suis en train d'écouter « Une nuit dans un funérarium », « Expérience fantôme » avec Rec Paranormal, quelque chose comme ça. C'est bien bon, ça se passe dans une affaire funéraire, c'est assez spécial. Fait que c'est ça, là, j'ai pris une petite douche, un petit bain tantôt, ça m'a fait du bien, ça m'a relaxé un peu des petits bobos de ventre. J'ai encore mal partout dans mon petit corps, on dirait que je me suis fait passer dessus par un autobus. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Et puis là, j'apprêtais, c'est pour ça que j'ai pris ma caméra et j'ai dit je vais lui faire une petite conclusion de la journée parce que là, je m'en vais coucher, je vais finir d'écouter la vidéo de Rec Paranormal, puis après ça, Rec Expérience Fantôme. En tout cas, je me souviens plus trop, je pense que c'est ça sa chaîne, attends. Je vais aller voir, tu connais pas, j'aime ça te renseigner comme faux. Donc, c'est Rec, c'est ça, Expérience Fantôme. C'est ça le nom de sa chaîne. Fait que si tu connais pas, puis t'aimes les affaires de paranormal, là, ben, c'est léger, c'est le fun. Puis, c'est un gars qui est sympathique, qui est attachant. Donc, c'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que je l'écoute, parce qu'il est bon. Puis, il fait pas dans le fake, puis toutes ces affaires-là. S'il se passe à rien, il se passe à rien. Des fois, ça peut être l'imagination, ça peut être plein de choses. Donc, voilà. Fait que je vous laisse tout le monde. On se voit demain, jeudi. Jeudi, demain, c'est supposé d'avoir de la pluie toute la journée. C'est pas grave, ça va me donner l'occasion de me pogner le bacon, puis de prendre soin de moi. Comme ça, quand il fait pas beau, ben, je suis pas sous stress d'aller marcher puis sous stress de tout. Là, je vais prendre ça cool en attendant que mes règles décollent. Donc, voilà, on se voit demain, tout le monde. Bye. Salut tout le monde. On est jeudi. Ça va super bien. Je me suis levée un matin en forme, un peu fatiguée, mais en forme.
avec des allergies dans le tapis, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Et puis aujourd'hui, c'est une journée qui mouille, fait que ça va être bien relax. Je suis avec mes animaux dans la maison, avec Jack, Ben et Charlotte. Puis aujourd'hui, je vais regarder des vidéos, je vais faire des vidéos, il faut que je fasse une vidéo ASMR, je ne l'ai pas encore faite. Le mouvement de main, donc je vais vous faire ça pour dimanche. Et puis, c'est ça, là. Je suis avec Jack. Femme noire dans la chambre, il n'y a pas beaucoup de clarté. C'est tristounet dehors, mais Jack, il est très très heureux d'être avec vous aujourd'hui, hein Jack? Ouais, il est heureux. Fait qu'on revient tantôt. Bon, ben, bonjour tout le monde, nous sommes rendus vendredi, ouais, vendredi le 6, ou 6 août. Il y a le Catou, la fête à Catou, le Catou. Il y a la Miou, la fête des chiens, ah Miou, je suis pas drôle. Puis là, bon, le 6 août, 6 août. Fait que j'ai pas fait la conclusion hier. Hier soir, j'étais trop fatiguée, malade aussi, je filais pas, j'ai super mal dans les jambes, j'étais en retard dans mes règles, je touche, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal dans tout le corps au complet, je file pas pendant tout, ok? Fait que aujourd'hui, là en ce moment, il mouille, je suis bien contente, il fait extrêmement chaud, il annonce extrêmement chaud avec l'humidex 35, mais il annonce super beau après-midi, ils disent à partir de 11h, fait que je sais pas si je vais aller marcher, si j'ai la force, je vais voir, j'ai aucune idée, je vais checker ça. J'ai rien de prévu, puis j'ai le goût de rien prévoir non plus, j'ai juste le goût d'être avec moi-même tout seul. Puis d'avoir rien à faire. Il y a des journées de même, puis aujourd'hui, c'est vraiment une journée comme ça. Ça va être une semaine comme ça. Je vais être comme ça au moins jusqu'à mercredi. Ça, c'est ça. Et puis, ben voilà. Tantôt, je vais faire une couple de petites vidéos. Je vais faire une couple de petites vidéos à ASMR. Et puis, m'avancer un peu là-dedans. Et puis, ben c'est pas mal ça. Fait que, ben on se revoit bientôt. Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes rendus samedi le 7 août. Ben là, je vais faire la conclusion du vlog. Le vlog, cette semaine, n'aura pas été très très long, parce que c'est mon retour de vacances, puis je vais vous avouer que j'étais extrêmement fatiguée. J'ai tombé ensuite dans mes règles en revenant, donc j'ai rien pour être en top shape. Fait que c'est pour ça que je vous ai pas vlogué. Puis tant qu'à vous vloguer du négatif, ben je préfère, tu sais, ça peut arriver des fois, mais pas trop souvent. J'essaie de pas trop souvent exposer le négatif sur ma chaîne, j'essaie de rester le plus positive possible, parce que y a rien de plus down que regarder quelqu'un qui se plaint tout le temps. Fait que, mais comme tout le monde, je suis un peu humaine. Donc, des fois, il y a des petits hauts, des fois, il y a des petits bas. Puis, c'est ça. Là, c'est un petit bas que j'ai eu cette semaine. C'est pour ça que j'ai été pas mal tranquille ces vlogs, mais je vais me reprendre, je vous le jure. Vous le savez qu'habituellement, je suis pépée, puis je suis de bonne humeur, puis j'ai le sourire, puis je suis là pour vous faire rire. Ben, peut-être pas vous faire rire nécessairement, mais de vous divertir, si je peux dire. Fait que, c'est ça, là. Samedi, journée, j'étais faire l'épicerie aujourd'hui. J'ai été surprise, il faisait super beau, j'aurais absolument rien à dire. Il faisait comme 30 degrés dehors. Chez Costco, il n'y a pas un chat. Tu sais, quand je te dis pas un chat, un samedi, là, à Fredericton, c'est quand même rare. OK, j'habite pas Montréal, tout ça, ou les grands centres, là. Mais d'habitude, chez nous, le samedi, dimanche, tu peux pas aller chez Costco parce que c'est l'enfer, surtout les journées de pluie, l'hiver, là, c'est débile. Mais là, il n'y avait pas un chat. Ça s'est super bien fait. On est rentré là, toc, 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 on a fait nos affaires, on a sorti, toc, toc, toc. Tout a bien été. Fait que rien de pogné mère. Et puis, ben, aujourd'hui, ben relax. Ben relax. Hier, je filais pas, fait que. J'ai mal dormi. Un matin, je me suis levée, j'avais la gueule de bois. Pas la gueule de bois en voulant dire que j'étais saoule, là, mais en voulant dire que j'avais pas dormi de la nuit. Donc, ça a été une journée là, je suis comme fatiguée. T'sais, j'ai comme hâte, là, depuis tantôt, là, j'étais tendue. Mais tu sais, je me lève souvent pour aller faire du souper, après ça pour faire autre chose, aller prendre une petite collation, prendre un petit verre d'eau, puis blablabla, se démaquiller, sortir les chiens, tu sais. Fait que finalement, t'as jamais la paix. Mais on sait qu'à partir de 7h30, d'habitude, on a là, comme la paix. Je fais mes derniers trucs, puis là, j'avais oublié, je m'en allais m'étendre. Puis là, j'ai dit, ah, j'ai oublié de faire le vlog. Vous voyez, j'ai quand même de la jasette, hein. Fait que je me reprends pour les jours que je vous ai pas vlogué. Mais là, pour de vrai, je vais vous laisser. Parce que là, j'ai plus rien à dire, puis je reste à radoter, puis c'est pas le fun, ça non plus. Et puis, ben, je te dis bye. On se voit. Je commence un nouveau vlog demain, dimanche. Il va y avoir la vidéo ASMR qui est déjà. Faut que je m'assure que je l'ai faite, mais il me semble que je l'ai déjà. Ah, oui, je l'ai faite. Tu vas l'avoir. Et hey, en plus, tu vas être content. Contente, parce que c'est un abonné qui m'a demandé cette vidéo-là. Le mouvement des mains. Bon. J'aime autant dire tout de suite, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Oui, je fais des mouvements de main, là, mais moi, j'ai plus l'habitude de chuchoter et faire des tapotements. Avec les ongles, les mains, les affaires de main. Mais les mouvements de main, c'est comme ceux qui aiment les vidéos, là, tu sais, où ce que tu dis des mots inaudibles, là, ou que tu. Dans l'oreille, là, dans le micro, là, tu sais, ça, c'est des affaires aussi, j'ai un petit peu de difficulté à faire parce que c'est des affaires que moi, je suis pas capable d'écouter. Ça finit par me tomber sur les nerfs. Fait qu'on, tu sais, on n'a pas tous les mêmes goûts en SMR. Moi, je fais vraiment ce que j'aime. Fait que c'est pour ça que c'est important que si t'as une petite demande spéciale, tu peux me la faire, me faire sortir de ma zone de confort. C'est pas mauvais, des fois. Ça permet aussi de devenir meilleur. Puis, c'est vrai que je suis pas mal traditionnelle dans la SMR. Je fais vraiment plus le chuchotement, ce que je préfère.
Puis, ben, le tapotement. Moi, je suis quelqu'un, là, je suis très, très réceptive au tapotement, surtout avec les ongles. Les femmes qui ont des ongles, ça me fait capoter. Ça, là, vraiment, ça me donne des frissons, là, au bain. Tu sais, dans le micro, ça aussi, j'aime ça. Je vous le fais peut-être pas assez souvent parce que je veux pas vous tomber ses nerfs. Mais dites-moi en commentaire un peu si vous êtes abonné à ma chaîne ASMR. Supposons que tu ne l'es pas et que tu es curieux, tu vas aller voir. C'est pas compliqué. Tu vas dans la recherche puis tape la chuchoteuse québécoise. C'est moi. Donc, tu vas me reconnaître. Il y a une photo, tu vas me reconnaître. Va checker ce que je fais, puis si t'aimes ça, ben tu t'abonnes. Comme ça, tu vas pouvoir suivre mes vidéos, puis en même temps, ben, comme je te dis, si t'as des recommandations, gêne-toi surtout pas. Parce que c'est vrai que je suis assez traditionnelle en ASMR, je l'avoue. Mais je fais dans ce que je suis confortable. Mais, tu sais, n'hésite pas, là, si t'as des roleplays, j'aime ça faire des roleplays. J'adore faire des roleplays. Mais, on dirait que par moi-même, à part coiffeuse, maquilleuse, on dirait que j'ose pas aller dans les autres horizons, tu sais, comme docteur, je pourrais aller là-dedans. Mais on dirait que j'ose pas. Fait que, mais si c'est toi qui me le demande, c'est sûr que je vais le faire. Parce que ça va être un défi pour moi, fait que je vais le faire. On dirait que quand c'est moi qui se met un défi, c'est moins le fun. Ça me tente moins, tu sais, c'est comme poche un peu. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui me le propose, là, je vais avoir le goût de le faire. Je suis comme ça. Fait que gêne-toi surtout pas, là, vraiment pas, là, ça serait plate de gêner. Puis même sur la chaîne ici, en vlog... Power off. Ah, ça c'est mon speaker. Elle s'en va se coucher, elle, avec. Elle dit que la journée est finie. C'est fini. Fait que, c'est quoi, je vais te dire aussi, attends, je vais te dire d'autres choses. Ah, je me souviens plus. Je fais de l'Alzheimer. Non, c'est pas vrai. Faut pas dire ça. C'est parce que j'ai fumé un joint. Hein? On va se délivrer de choses, hein? On va être honnête. Hein? Moi, pis toi, à cette heure qu'on se connaît, hein? On peut être honnête. c'est drôle, tu sais. Je regarde mon Kodak qui me regarde. Puis des fois, je m'imagine que mon Kodak, ben, c'est quelqu'un. C'est weird, la vie, hein? Donc, je me souviens plus, je voulais te dire. Je voulais te dire de quoi, là? Je vais fermer la caméra, je vais te dire, ah oui, c'est ça. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. On parlait de vidéo. Ah oui, c'est ça. Tu veux, ça me revient. On parlait sur la chaîne de vlog, la chaîne ici, là, où tu regardes les vlogs, les vidéos beauté. C'est vrai qu'à cette heure, je magasine moins de produits de beauté qu'avant. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme dans mon esprit un peu débile. Mais là, à un moment donné, je me suis calmé le pompon parce que quand j'ai réalisé tout ce que j'avais, puis tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai crissé dans les vidanges, je me suis dit, voyons donc. C'est des centaines de dollars, en tout cas, peut-être même des milliers de dollars j'ai mis aux poubelles. Des milliers, je sais pas, là. Peut-être pas. Ben ouais, peut-être, tu sais, peut-être. Probablement un bon 2000$. Je te le jure, là, j'en avais beaucoup de choses, puis j'en ai donné tellement. Là. Puis, ben là, vous avez vu des palettes il n'y a pas longtemps. Je vous ai présenté les nouvelles palettes que j'avais achetées de NYX. Je vous ai parlé d'une marque que je ne connaissais pas, Cara Duo Beauty. J'ai acheté 3-5 palettes de cette marque-là. Mais oui, tu as vu les vidéos. Tu vas les voir éventuellement. Non, c'est vrai, tu n'as pas toutes vu les vidéos. Parce que moi, je suis la YouTubeuse très désordonnée en vidéo. Autant que je suis ordonnée. Mais je pense que, je sais pas si tu t'en rends compte, quand je poste les vidéos, je pense pas que tu remarques ça. Moi, si genre, j'écoute un YouTuber, une YouTuber, je pense pas que je vais remarquer ça. À moins que... Tu peux le remarquer par les cheveux, les ongles. Ça serait... Tu sais, si tu sais remarquer un peu d'affaires. Des fois, les cheveux, j'ai les cheveux de telle couleur dans les vidéos. Puis ça fait longtemps que j'ai plus cette couleur-là, tu sais. Genre, là. Mais à part ça, je pense pas que ça fasse grand-chose, que c'est un petit peu éparpillonné. Mais, si tu veux voir, moi, j'aime bien ça, faire des tutoriels de maquillage. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'aime ça. J'en fais, parce qu'en même temps, ça me permet de me pratiquer, de pas perdre la main. Parce que sinon, j'en ferais pas, parce que je suis pas portée à me maquiller dans les couleurs colorées. Quand je me maquille, bien sincèrement, si c'est juste pour moi, puis je fais pas de vidéo. Tu sais, je te l'ai déjà dit, ça va être un petit peu de mascara, un petit tombe à paupières très légère, du lipsil, un petit peu de bronzer, parce que là, je suis blanche comme un drap. Parce que cet été, c'était un été de marde. Tu sais, je me bronze un peu la face, là. Juste me donner une petite bonne mine, là. Sinon, je trouve que j'ai l'air malade un peu. Moi, je suis habituée de me voir d'habitude l'été, là. Je suis noire. Le mois d'août, là. À fin de l'été, fin d'août, là, je suis. Alors, on n'a pas le droit de dire le mot, là. Tu sais, que commence par elle, là. Mais moi, je suis pas monétisée pour ça. Fait que je peux. Mais je veux pas choquer personne. Fait que, mais en tout cas, je viens très brune. Je sais même pas si noire, on peut dire ça, là. On va dire brune. Je viens. Tu sais, café latte. Café latte. Avec un soupçon de rougeur, parce qu'il faut pas oublier, j'ai des origines amérindiennes, donc avec un petit soupçon de rouge. Mais ça, je sais plus, on a-tu le droit de dire ça? Je sais pas, hein? Ben, en tout cas, peau rouge. Tu sais, à l'époque, ils disaient les peaux rouges, là. Ben, c'est ça. Un petit soupçon de rouge dans le bronzage. C'est tout à fait moi. Mais là, je suis comme... Ben, tu sais, il y en a qui sont bruns même l'été, là. Moi, je connais du monde qui bronze pas plus que je suis là. Mais je suis pas blanche non plus, parce que l'hiver, je suis plus blanche que ça. Ben, j'ai quand même un... Ben, le printemps, il a fait beau, il a fait chaud, c'est au printemps que j'ai bronzé. Mais là, ça fait longtemps que le printemps, il est plus là, tu comprends, là, on est rendu au mois d'août, là. Tu sais, là, l'été achève, l'école recommence. Hey, moi, j'ai assez hâte, mon poste de radio va recommencer avec mes animateurs. Ça va être trop génial, Fillon, Moret. Ah, j'ai hâte!
Puis si tu sais pas de quoi je parle, ben je parle de Radio X. Écoute ça. Écoute ça, si tu connais pas ça, là, écoute ça. Tu peux l'avoir sur ton cellulaire s'il n'y a pas de Québec, parce que c'est une radio de Québec. C'est une radio parlée. Mais je suis sûr que tu connais ça, qui connaît pas Radio X. À moins que tu vis, je sais pas où, là. Puis que t'es pas, je sais pas, t'es pas à jour. Tu sais, je suis pas prête à dire que t'es pas éduqué, mais pas loin. Parce que tout le monde connaît Radio X. Mais voilà, moi je te laisse. Si tu veux, pour revenir à, mes, à ce que je voulais te dire, parce que je suis partie dans une dérape encore. Je te parlais des maquillages. Moi, j'aime ça faire des tutoriels de maquillage. J'aimerais ça que tu me donnes des défis make-up. Ça serait le fun. Tu sais, genre, tu me pars un thème, puis je m'inspire du thème que tu me donnes. Genre, exemple, je sais pas, moi, tu me dis, je sais pas, moi, le thème, c'est la nature en automne. Ben, je te pars un thème en nature en automne. Je sais pas, mais ton thème, c'est, t'aimes les princesses Cendrillon? Ben, je te fais un princesse de Cendrillon. T'aimes les sirènes? Je te fais un maquillage de sirène. T'aimes les monstres? Je te fais un maquillage de monstre. Tu sais, un défi maquillage. J'aimerais ça. Si tu veux de quoi plus sophistiqué, tu veux quelque chose, je sais pas, tu t'en vas dans un mariage. Tu sais, un beau petit maquillage là, de mariage, ça pourrait être pas pire. Ça aussi, là, tu sais, c'est pratique, ça, là. Ou un baptême, tu sais, t'es un peu funky, là, ma tante cool, là, qui aime ça être pomponné, là. Ben, t'es pas obligé de juste avoir du mascara et être toute simple. Fait que c'est ça. Si tu peux me donner des petites idées, puis sinon, sur ma chaîne de vlog, qu'est-ce que j'ai aussi. Là, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de potes. Là, je vais revenir avec mes vidéos avec ça, parce que là, dans le. Dans la marijuana. Parce qu'on vient qu'on sait plus quoi, c'est quoi et quoi ce qu'on a pas le droit de dire puis dire hein, sur YouTube. Mais en tout cas, pas de marijuana, ça, là. J'ai pas vraiment testé. Je suis plus dans mes vieilles affaires. Fait que c'est pour ça que je te fais pas de vidéo parce que je t'en ai parlé. C'est des potes que je t'ai vanté les louanges puis je continue à fumer parce qu'ils sont vraiment bons. Là, il y en a un petit nouveau que je vais tester. Un qui va être à la lavande. Il va y avoir de la lavande dedans puis un va y avoir un petit goût d'agrumes citron. Fait que ça va être intéressant. Je me souviens pas si je les ai testés, mais même si je les aurais testés, même si je reconnais le nom parce que je vais le voir dans mes notes, mais on va le retester pareil ensemble parce que ça fait vraiment longtemps. Puis là, ben avec le temps, ben tu sais, mes goûts changent, mon buzz aussi, il change. Fait que, juste savoir un peu, là, s'il est toujours aussi bon ou moins bon. Anyway, je te redis ça. À part ça, il y a des vidéos de, qu'est-ce qu'il y a ce machin? Des hauls, mais je magasine pas des tonnes. Je magasine beaucoup de linge. Beaucoup, beaucoup de linge que je te montre pas. J'essaie de te montrer mes vêtements dans les vlogs. Puis souvent, j'oublie. Je vais essayer d'y penser. À partir de demain, je pense à ça. Je te montre mon look du jour. À tous les jours. Tu vas savoir comment je t'habille. Puis si je me change, je vais te le montrer. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Comme un livre. Et puis, c'est ça. Puis sinon, j'ai fait une... Je sais pas si j'ai déjà publié. Je me souviens pas. Faudrait que j'aille voir dans mes vidéos. Mais j'ai fait une série de vidéos sur ce qui se cache dans ma garde-robe. Un affaire comme ça. Je me souviens pas tout à fait du titre que j'ai donné à la série. Mais je te montre mes vêtements printemps-été. Mais j'ai pas fini. Là, je t'ai rendu à te montrer tout ce qui était jupe et short. Fait que là, faudrait que je filme ça bientôt. Mais tu sais, c'est des vidéos probablement que tu vas voir, l'été va être fini. T'sais, c'est ça qui est un peu poche. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave. Ça va te faire rêver. Puis tu vas avoir hâte à l'été prochain. C'est tout. Tu sais, l'été, elle va revenir l'été. Faut pas capoter. Fait que là, pour de vrai, je te laisse. Regarde, je te laisse avec ma jolie licorne. Regarde comme elle est belle. C'est un petit tatou que j'aime. C'est un beau petit souvenir, ça. Ça, c'est un petit souvenir de ma chienne, Tammy. C'est en hommage à elle, cette petite licorne-là. On l'a toujours gardée. C'est un petit tatou qu'on y avait acheté. Fait que je vous laisse avec ça. Puis on se voit dans un prochain vlog. Bye!